Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh là là, mon cahier. Venez oh, venez oh. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir la team. De retour à la reine mère. Ouais. La vie. Le retour de la main, faut partager au direct, s'il vous plaît. Oh. Quand elle sourit comme ça veut dire que la matière est là. Partagez. Ce soir, on va parler. Ceci n'est pas un clash. Quand quelque chose se retrouve sur Facebook, j'ai l'obligation de donner mon avis. Partagez le live, moi, faut pas voir. La tigresse, bonsoir. Je veux le stylo. Oh là là, j'ai oublié mon émission, mon cahier pour ma télé. Et vous m'attendez un peu, non? Le genre de télé qu'on commence avant de chercher. Ouais, pardon, attendez-moi, j'ai oublié de prendre mon. J'ai laissé là-bas, j'ai mon cahier de télé là. Un instant, s'il vous plaît, partagez au direct. Les cœurs, partagez, mettez les cœurs, les étoiles pour encourager. Pardon, attendez, j'ai oublié mon cahier de télé. Ouais, j'avais le. Mon cahier de télé, oh! Ma télé, oh! Ma télé, oh! J'ai oublié le cahier. Mon bloc-notes. Bloc-notes de la télé. Attendez, pardon les gens, pardon. Mon bloc-notes. Oh là là, j'ai bien préparé mon émission, hein? Mon émission de ça, oh! Oh là là, mon émission. Oh, pardon. Désolée. Hey, mon émission, attendez. Ouh. Wow, attendez. Désolée, les cœurs. Ok. Ok, attendez. Hey, attendez mon émission. Et quelle heure? 21h. Pour faire la télé, on écrit sur ça. Hein? Télé sans formation. Je veux le nombre. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, ça fait longtemps. J'ai le plaisir de vous retrouver ce soir sur ma page officielle. J'ai plusieurs pages officielles. Donc, je me présente encore pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis la reine mère, Fleur de l'île internationale, la télécommande de Facebook. Voilà, donc celle qui donne le ton à Facebook. Parce qu'elle est star d'Instagram, de Debout Debout, de TikTok. Mais je suis celle qui a rénové Facebook. C'est mon terrain de jeu. Parce qu'ailleurs, je ne sais pas manipuler les TikTok. J'étais là-bas un jour, j'ai vu un enfant de 14 ans. J'ai dit que donc, il y a un mouna ici comme ça, là, j'ai fui encore, je suis revenu ici. Donc c'est mon terrain de jeu. Je maîtrise la chose. Mes chers frères et sœurs, je suis contente de vous voir ce soir. Regardez mon sourire. Les abeilles. Regardez comment je souris. Regardez comment je suis ravissante. J'aimerais vous remercier sans exception. Toutes ces personnes qui ont envoyé les messages d'encouragement à destination de ma mère qui a été hospitalisée 3 semaines suite à une attaque d'AVC. Donc, c'est un moment qui a été très, très dur pour moi. J'ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup souffert. Mais grâce à vos prières, toutes vos prières, elle est sortie de l'hôpital, ça fait 2 jours. Ça fait 2 jours qu'on est là. Ça me manquait. Genre de vouloir faire les directs comme ça. Je ne dis pas, maman, je te donne quoi? Vous voyez, il y a toujours la présence qui est là. C'était dur pour moi. Merci à cette amie qui est toujours autour de moi, qui m'a soutenue, qui, voilà quoi, qui est toujours là. Vraiment, j'aimerais te dire merci.
Parce que je me suis rendu compte que les personnes âgées, que c'est le vrai moment en fait. C'est vraiment le moment de... Quand tu dis, je m'occupe d'une personne malade, ça c'est le moment en fait. C'est dur. Surtout quand tu avais une personne âgée qui tombe, que tu n'as pas la force pour relever, tu n'as pas de technique pour lever la personne, c'est dur. Tu te mets comme ça, les larmes coulent seules. Parce que tu te dis, mais comment je peux faire? Tu affaiblis, tu commences seulement à pleurer. J'ai vécu ces moments. C'était dur pour moi. Voilà pourquoi je n'étais pas trop... en fait, je n'étais plus trop sur Facebook. Je me suis dit, bon, c'est vrai qu'ici, dans les hôpitaux, on s'occupe bien. Mais moi, le soir, quand je lui dis bonne nuit, ici, on dort pas à l'hôpital, près d'une personne malade. Encore, elle est très forte. Et je remercie le Seigneur parce que, bon, elle est forte. Et aujourd'hui, elle est avec nous à la maison. Vous savez, à son âge, on peut s'attendre à tout. Voilà. Donc, vraiment merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages très réconfortants. C'est... Franchement... Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Quand tu te rends compte que à un moment donné, les parents, ils deviennent comme les petits-enfants, donc il faut changer. Il faut vraiment, je fais un big up à toutes ces personnes qui travaillent avec les personnes âgées. Vraiment, je vous tiens un coup de chapeau. J'ai décidé de faire une formation. De faire une formation, en fait, pour elle. Pour avoir des techniques, pour que quand un truc arrive, au moins j'ai des premières techniques, quoi. Donc, merci infiniment à vous. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, à prier. Pour que... Vous savez que je suis très sensible, hein. Et il y a beaucoup de gens qui m'appelaient. Est-ce qu'on peut venir la rendre visite? Vous savez, ici, nous sommes en Europe. Et dans des moments comme ça, elle a besoin du calme, elle a besoin de la tranquillité. Je peux pas... Maintenant qu'elle est à la maison, ça va. À l'hôpital, non. Donc, voilà. Ah, merci. Je peux boire un petit coup parce que je suis quelqu'un de très... Donne-moi un verre, s'il te plaît. Je vais boire un petit coup. J'ai arrêté l'alcool. Hein. C'est pas comme si je bois souvent. J'ai complètement arrêté. C'est juste que, bon, l'émotion, non. L'émotion. Voilà. Est-ce que Dieu va nous donner aussi... Bon. Je vais boire un petit coup. Non, ce n'est pas un modèle pour boire. Oui, c'est juste que je vais boire juste pour... Je vais... Donne-moi un petit verre, s'il te plaît. C'est moi. Oh. C'est pas ouvert. Mais c'est le médecin qui m'a interdit l'alcool. Il faut arrêter. C'est quoi le truc là que je ne bois pas? C'est quoi? Quand les gens boivent, ils meurent, non? Voilà la petite là qui est morte là, paix à son âme. Oh là là, c'est un truc qui m'a fait mal. Mais on peut pas avec ce qu'on a bu, non? Oh, on peut avec ce qu'on a mis dans le ventre. C'est quoi? Oh, ne bois pas, ne bois pas. Je bois pas, pourquoi? Je bois l'eau, pourquoi? Je bois pas l'eau. Non, donne-moi un verre. On est là, on a le divin à taper. Il y a aussi blessé de guerre. Oui, blessé de guerre. Retenez ce nom. On va faire le direct sur lui. Il s'appelle Justin Tsama. Un bandit en col blanc. Un gigolo XXL. Un très grand gigolo. Il est en train de gigoler. À l'heure où je vous parle, il gigole Tamezout.
moi Tamezout, maman Tamezout, à Toulouse, Justin Tsama, un homme marié qui se fait passer pour un célibataire, un menteur. Je te préviens, il a déjà envoyé les photos de tes maisons que tu as au Cameroun, il dit que c'est sa maison. Même ce que tu es en train de construire, il envoie pour draguer les femmes. Que c'est pour lui. Justin Tsama, un bandit de grand chemin. Il a volé à Mugubelinga. Le zonlo. Un bandit qui a volé le zonlo. Recherché au Cameroun. Il a volé le zonlo. Oui, un direct spécial sera venu poster ses photos. Vous avez compris, non? Un bandit escroque les femmes. Il ment pour l'amour. Partout. Il sévit, il laisse des blessés. Il arnaque les femmes. Il s'assoit, mes chefs de soeur, il se fait passer pour un milliardaire. C'est un sans-papier qui a Boza. Oui, il a dû le gigoler Tamezout à Toulouse. Le restaurant Tamezout. La mère Tamezout. La mère Tamezout. Je te lance seulement le message, la mère Tamezout. Justin Tsama, un petit gigolo de 31 ans, il manque son âge qu'il a 42. Il se filme chez toi quand tu n'es pas là. Il montre aux femmes que c'est chez lui. Il prend comme ça, il reste comme ça là. Il dit que c'est chez lui. Fais attention. Il escroque. Tamezout. Il arnaque les gens. Il a les blessés de guerre partout dans le monde. Il faut voir comment sa voix est muelleuse. Un bandit jusqu'à... Il faut voir comment quand il parle. Mon petit cœur, mon petit cœur. Bonne nuit, mon petit cœur. Mon petit cœur, tu as bien un gigolo qui n'a pas le travail. Tout son travail, c'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Son émission, non. On ne le laisse pas. Il a volé à Mugubelinga. Oui, c'est Justin Tsama. Il a volé à Mugubelinga. Propre, il a fui. Il était directeur de Vision 4 en Guinée. Il traitait avec les mercenaires. Vous comprenez? Il a dit même qu'il vendait les diamants. Il drague les femmes, il a importé les diamants. Justin Tsama. Un gars qui fait le jansang, il met le lait de toilette. Justin Tsama. Il n'a de chien. Tu te ouang, ça dit que tu mets le jansang, tu prends le lait de toilette de ta maison, tu mets sur toi. Regarde comment tu es. Hein? Va chercher les papiers. Hein? Va chercher le kaolo. Tu as compris? Il a dit. Il travaille avec mercenaires. C'est comme s'il a fait sa fortune, soi-disant. Un menteur en col blanc. Tu auras. Point. Tu as dit que tu as importé le diamant, non? Il a escroqué une de mes copines, mes soeurs. Il a même rendu une femme folle. Escroqué jusqu'à promettre qu'ils vont recevoir les milliards dans le compte bancaire. Elle a appelé sa famille, ils ont ouvert les comptes bancaires partout. Mes chers frères et soeurs, un bandit jusqu'à ce n'est pas bon. Et vous voulez qu'on le laisse? On va sauf que dénoncer. Francis Vemba, même, il est propre. Regarde-moi que quand il se mit, il chante des chansons des femmes. Tu sais quoi? Tu seras sauf que publié sur Facebook. Tu seras dénoncé. Afi, drink something. Je bois, s'il te plaît, moi, je pense que je chauffe. Donc, c'était juste l'entrée en jeu pour dire que Justin Tsama, Justin, précisez bien. Mais j'ai frères et sœurs, il a inventé que sa sœur est décédée jusqu'à sortir le programme du deuil. À la Walaï. Il a sorti un programme de deuil. Comment sa soeur est décédée, elle habite à Simbok. Jusqu'à faire le programme, comment il faut aller acheter le vin. Mes chers frères et sœurs, il voulait même qu'il contribue. Il voulait même que ma copine qui l'a gigolé contribue. Elle a dit que. Le gars, si. Les gens, ils rêvaient même que. Je sais notamment. Tamezout, à Toulouse, tu seras exposé. J'ai dit que, il gossit. Menti pour l'amour. Parce qu'il sait qu'il y a les femmes qui cherchent l'amour.
qui veulent être, qui veulent avoir leur homme, qui veulent être fiancés, qui veulent se marier. Ils tombent le premier jour, ils commencent à promettre le mariage. Je sais, ça m'a volé. Tu as la vision 4. J'ai ces photos, hein. Les gens, ils promettent le mariage à tout le monde. Il a les victimes comme ça, les femmes. Sortez, oh, sortez, dénoncez ce gars. Capable de se déplacer pour aller donner une bouteille dans une famille. Merci. Hein? Justin Sama. Facebook va prendre feu. Il dit que hey, toi, tu as compris? Tu seras dénoncé. Les abeilles, ça sent le cacham sur lui. Trouvez-le! Cherchez-moi ce gars. Mm-hmm. Trouvez ce gars. Combien de femmes a-t-il rendu en dépression? Combien de femmes il a envoyé en dépression, mes chers et sœurs? Il y en a qui sont fortes, qui se consolent même que dans le lajon. Quand vous voyez une femme boire en Europe, ne dites pas qu'elle boit quoi. Maman, il y a des gens comme ça, qu'un gamin, il commence à boire. Tellement tu es dépassé que ouais, je veux faire comment? Les gens, ne le laissez pas. Samet, Justin Sama, n'oublie pas. Il a menti qu'ils ont les hectares de terrain. Un menteur, il a envoyé les chantiers d'amour. Il dit que c'est son chantier, les gens. Il fait que les femmes rêvent déjà de se voir dans le mariage. Il n'a du shame. Justin Sama, tu seras dénoncé. Oh, ah. Bon, Claude Akam, l'abbé Samé, ça va? Ça va, hein? Ça va, mes amours? C'est un petit coup de... Pour préparer ce son, on dirait va durer un mois, Justin Sama. Hein? Il m'a confirmé le code. Jusqu'à certaines demander d'aller... les recettes Balesanga. Maman, Adama, je demande que certains hommes qui mentent les femmes, dont vous asseyez, vous faites les plans de... Ça dit que vous organisez, mais je ne comprends pas. Vous mentez tout. Merde, Justin Sama, tu seras dénoncé. J'ai dit que ta frappe là va s'arrêter. Oh. C'est tout. Mes gens, je me suis connectée ce soir. Rebonsoir à quoi tout le monde. Désolé pour le coup de gueule. On a trop de dossiers. Mais on va commencer par le retour de la consoeur qui a fait son retour hier sur Facebook. Le retour de la consoeur. Mes chers frères et sœurs, c'est normal qu'on en parle. Elle a choisi la télé. De faire la télé. Alors quand on veut faire, on fait bien. Et on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Sans jalousie. Moi, je suis bien comme ça, faire les directs comme ça quand je veux, machin. On lui souhaite bonne chance pour ses émissions. Mais seulement, il faut accepter les critiques. Et d'ailleurs, que ça soit accepté ou pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça nous fait quoi? Ni chaud, ni froid. Donc, je suis là pour parler de son retour sur Facebook après son scandale des cordes. Après le scandale, elle a décidé d'entrer dans le Soussongo. On va pratiquer seulement les mots comme ça. Moi, je ne connais pas moi le gros français. Donc, après le scandale, elle décide d'entrer dans les Soussongo. Le scandale se passe comment, mes chers frères et sœurs? La collègue blogueuse est une personne qui a toujours rêvé d'avoir sa télé. Ce qui est bien, il faut sortir aussi de... Voilà quoi, chacun son concept. Elle a choisi la télé. Elle a choisi la télé. Elle adore ça. La télé. Il y a des personnes qui ont fait de la télé sans formation. Il y a des personnes aussi qui ont besoin du recyclage, des petites bonnes manières. Parce que faire de la télé... C'est pas seulement se maquiller, mettre les habits et venir faire la télé. Aïcha Sol, elle n'a pas été à l'école de journaliste, elle n'a même pas été à l'école d'animatrice. Bon, qui sait? Je sais pas. Peut-être elle a été se former un peu. Mais elle a commencé un peu.
Et aujourd'hui, elle le fait bien. Ses émissions. Quand on décide d'être devant la télé, il faut accepter qu'il y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Il y a des gens qui vont aimer l'émission, il y a des gens qui ne vont pas aimer. Alors je suis là pour répondre à son retour. En passant une parenthèse, Bosangi Naou. Bosangi, c'est une timbrée. Borosangi, une timbrée. Bosangi, une femme que son mari a abandonnée. Son mari a fui. Il vit chez une Guinéenne. Qu'elle aille récupérer son homme. C'est de ça qu'il s'agit. Bosangi, tu es qui? Je ne peux pas te gérer parce que mon moment de te clasher n'est pas encore. Bosangi, toi, tu n'es qu'un petit. Ça veut dire que tu es le cafard par terre. Tu es le moutmout qu'on tape comme ça. Tac. Tu es qui? Ta parole ne compte pas. Tu es qui dans la diaspora? Tu es qui dans le monde? Tu n'es rien. Bosangi n'est qu'un tétard. Vous me parlez quoi? Bosangi, c'est qui? Mais c'est une folle alliée qui cherche de la visibilité. Bosangi, une femme que j'ai déposée. Oui. Le 8 mars, elle n'a pas fait. Hein? C'est moi qui lui donnais de la visibilité. Elle a gagné des millions derrière moi. J'ai décidé de déposer Bosangi. Elle peut mourir. Njimoni. Bosangi, c'est qui? Est-ce qu'elle a géré? Une femme qui n'a pas de mari, maman, qui se masturbe avec, une télé, avec le frigo. Il faut la voir devant son frigo en train de se masturber en guettant là-bas. Bosangi, c'est une masturbeuse. Je parle quoi avec une vieille chouette qui fait 53, qui, ou c'est être sur la pointure 40, 53. Mais elle ne vaut rien. Bosangi ne vaut rien du tout. Elle ne peut dire que sa parole, c'est Nati, Nano, tu ne sais rien. Bosangi, c'est qui? Une personne qui cherche les alliés de gauche à droite, maman. Quand vous me moi, je suis un conteneur. Je suis le mur. Quand tu fais ça, pum, tu te cognes. Hein? La seule idée. Bosangi, c'est qui? Une vieille sapac, une vieille bordel qui a fait la borderie à l'hôtel des députés à Yaoundé. Qui a fait la borderie à l'hôtel des députés. Qui a volé, qui est passé à Marseille. Elle a fait la putain à Marseille. Elle a arraché le mari. Elle a fait l'enfant avec. Donc tout ça là, mon Dieu, elle n'a qu'un passé sale. Je suis plus propre qu'elle. Oh ah. Vous me dites que Bosangi, Bosangi c'est quelqu'un, mais franchement, où est une folle alliée que si elle ne parle pas de moi, elle n'est pas bien. Ça dit que je lui manque, ça dit qu'elle a une fixation sur moi. Bosangi, regarde-moi bien. Même si j'étais une lécheuse de Kouetou, tu n'es pas ma qualité. Tu es trop vieille. Et quand je te regarde, je vois ton clitoris qui pend comme un petit bangala. Ça veut dire que tu ne m'excites pas, même dans la touche pas. Même dans la touche pas, une femme comme toi. Je n'écarte pas mes jambes. Tu me veux quoi? Une fois, tu es amoureuse de moi. Je t'ai dit, tu es vieille. Tu n'es pas ma qualité. Tu n'es pas ma qualité. On va se mettre au poteau. Tu t'es déjà dit, Bosangi. Dites à cette femme que j'ai dit qu'elle entre dans sa chambre. Elle fait le direct. Dans le lit avec son mari, si elle est une femme, tu ne peux pas. Aujourd'hui que tu as, ça dit que Anak a l'assurance. Maintenant tu as cotisé l'argent que je te fais gagner, puisque c'est moi qui te fais gagner de l'argent. Tu as acheté le frigo, on ne peut plus respirer. Bosangi toujours devant le frigo. Bosangi, tu n'as pas une autre peau. Tu vas voir la torticolis. C'est quoi ce truc? Tu es assise comme ça, le frigo est là-bas. Tu vas voir la tort. Tu vas devenir torticologue. Tu vas voir la torticolite de Bosangi à force de faire le direct en regardant derrière. Va t'asseoir dans. Montre-nous ton séjour. Montre-nous comment tu as assise dans ton séjour. Arrête de manger les crêpes. C'est pour les petits-enfants, les crêpes. Regarde-moi celle-là. Elle fait les crêpes. Oh, franchement. Regarde-moi une femme comme ça. Elle a fêté à Saint-Valentin avec qui? Elle n'avait personne. Toujours devant sa télé. Lang. Naou. Go, wo, wo, flood. Maf. Là-bas, salotologue. Bah. Moi, une femme. Franchement, ça dit que quand on parle des femmes de la diaspora, vous me parlez de Bosangi, une femme qui a vécu dans la voiture pendant des années, elle vivait dans la voiture, on a vu. Bosangi ramasse une autre star, tu fabriques, on voit. C'est ce qu'on te demande. Et à quoi? Bosangi, tu n'es qu'une vieille sombre, vieille chouette. C'est tout ce que tu es. Tu as tout essayé dans ta vie. Regarde-moi celle-là. Une femme qui... Mais franchement... Mais elle a travaillé. Je vous ai dit que cette femme-là... Mais c'est une malade. Elle brisait des soya. Une femme qui a fait l'école. Elle part au Canada. Elle soit disait pas le gros français. Wesh. C'est-à-dire quand vous faites même vos directs là, ça ne donne même pas l'envie. Ça ne donne même pas... En fait, vous savez, les lives là, il faut avoir un truc quoi qui fait que...
Même si les gens ne t'aiment pas, ils vont toujours te regarder. C'est pas. Il y a un truc. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas te voir, mais ils veulent te voir en même temps. C'est ça, tenir l'audience. Tu n'as pas besoin de venir tout le temps. Tu signes sur une personne qui ne te doit rien. On est du même village, non. Je te dois quoi, rien. Tu signes sur moi, tu signes sur moi. Depuis des années, tu es devenu folle. Tu es rendu folle. Et il y a beaucoup comme ça. Vous venez vous attaquer à moi, devenir folle une fois. Et c'est ça le pouvoir. Tu es allé où on a vu? Une femme qui suppliait mes fans, mes gens. Elle me voit aller à Los Angeles. Elle court pour aller aussi dormir dans une grosse villa à Los Angeles. Où j'étais en Californie. Bon Sangui, tu as mes dates? Là, je n'ai pas honoré les États-Unis. Tous ces moments-ci parce que je ne pouvais pas laisser maman à l'hôpital et partir. Mais j'ai encore 3 contrats. Je suis aux États-Unis le 6. Je suis à Caen, le 25, je suis à Caen, la journée internationale de la femme. Je suis à Caen. Si tu es une femme, bro Sangui, parce qu'apparemment, vous aurez dit, comment on va me boycotter? Vous faites les petites réunions du village. Viens, bro Sangui, j'attends les pieds écartés. Venez, si tu es une femme, paye ton billet d'avion. Tu viens, tu dis que je suis venue boycotter Fleur de Lys. Je vais te donner une centaine comme ça, comme bim! Je vais te donner seulement un coup de poing comme ça. Un côté de tes. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je veux seulement un côté. Donner pour toi. Face à face. Merde. Regarde-moi une saleté comme ça, dis donc. Regarde-moi, je suis propre. Chouan Nambunga. Bon sang, je t'ai dit que. On met un homme. On appelle 2 hommes. Que voilà les femmes. Allez les combos, allez les gnasses. On verra les fesses de qui sont plus sucrées. Bon Sangui, même dans la gnasse, je suis plus serré que toi. Mes fesses sont plus serrées que tes fesses. Je te dis que mon petit doigt, quand je fais la toilette, ça n'entre pas. Tellement je suis serré. Bon Sangui, si tu es une femme, comme chercher les colosses gars pour la gnasse, non? On nous enfile, on nous jette dans quelque part, dis donc. On lance le défi, on verra. Qui est plus bonne que l'autre? Bon sang, je suis plus bonne que toi. Je suis plus bonne que toi. Je sais que la seule, ça veut dire que la seule position que tu connais, parce que même dans la borderie, c'était tout missionnaire que tu donnais. Bon sang, je te forme. Je dis que je te forme. Je te forme comment donner à un homme. Imbécile. Ah oui, une femme comme ça, tu étais incapable de bien donner les fesses à ton mari. Il a fui, je suis une Guinéenne, en pian. À Choukangongoli. Ton mari a fui, je suis une Guinéenne. Ils ont là 3 enfants. Tu vas dire qu'elle a gâché la vie des gens. Elle a gâché la vie de toute la nation. Nan pian. Là. Il faut les voir, hein. Elle a gâché la vie. Elle a détruit. Maman, quand vous ratez vos vies, vous dites qu'on a détruit votre vie. Je suis qui dans ta vie pour détruire ta vie? Je te connais où? Tu me prenais pour les, pour m'exploiter. Va mourir. Tu me cherches plus que tout le monde sur Facebook quand je ne suis pas là. Tu es la première fan. Je suis ta Kimka. Espèce de serpillère du Canada. Tête de papin. Avec ta grosse tête comme ça, comme la calabasse. Avec sa grosse tête comme la calabasse. Elle va faire les tirettes. Appeler à la haine. Appeler à la haine, ça me fait quoi? Imbécile. On dirait qu'elle marche dans le noir. Je tourne à Paris, tout le monde me voit. Imbécile, va. Imbécile, imbécile. Moi, quelqu'un. Hey, mais, maman, je ne sais même pas, vous suivez même la femme là. Elle vous donne quelle envie de la suivre. Parlons peu, parlons vrai. Elle vous donne quelle envie. J'ai les gros seins. Je suis belle. Je suis imposante. Je suis bonne à regarder. Les hommes même me regardent là. Ils se masturbent. Ils sont là, ils regardent une partie, ils font ça. Elle, quelle partie de son corps peut donner à un homme d'aller joie? Hein? Non, parlons peut-être. J'ai dit que je ne comprends pas. Quand vous la regardez, quelle partie
de son corps peut donner l'envie de ce. Moi, je cite les hommes et je cite les femmes. Oui. Toi. Tu donnes envie à qui? À qui? À qui? Tu as déjà parlé de moi, fais même les directs pour parler de moi. Les gens sont fatigués, disent que dis donc, Aka, arrête de parler de la fille. Depuis 5 ans, tu parles d'elle. Parce que les gens en ont marre. Trouve-toi autre chose à faire. Et dégage de mon chemin et fiche-moi la paix. D'accord? Quand on te voit, on sent une femme. Mais je t'avais dit, il y a des gouttes. Achète-toi un sextoy. Je t'ai offert. Je t'avais déjà donné ça. Ce jour, tu disais comment? Hé, hey, maman, tu es sauvage. Je ne vais pas parler de ta vie parce que ça ne m'intéresse pas. Si tu veux que je revienne parler comment ton mari a voulu me nier à l'hôtel au Canada, je reviens dessus. Autre épisode, élan. Hé, hey, mange devant, derrière, avec mouf. Une femme qui allait ramasser un gars, elle a importé le gars au Canada. Il est rentré, il était rentré un temps parce qu'il avait fait la chute. Il est tombé blessé de travail là. Accident de travail, il fallait l'adresse. C'est pour ça qu'il est revenu un temps. Tu as donné l'adresse, il a encore pas mis. Lent. Tu apprends quoi qui? Va faire les conférences, on voit nous. Tu as tout été allé à l'école. Mais va faire des conférences comme les Amod Chic. On voit. Qui derrière mon cul? Qui derrière mon cuit? Qu'est-ce que tu veux derrière mon cuit? Mais qui derrière mon cuit essaie de voleuse des abeilles? Tu as volé l'argent des abeilles propre. Tu as compris? Elle est venue à Paris me combattre. Maman lui a fait le haut. Vous connaissez la sécurité à Paris, non? Ils ont senti que ce n'est pas celle-ci qui insulte notre mafo. On l'a fait, elle est restée dans le froid. Les gens de la sécurité ont dit qu'elle n'entre pas. Où est ton biais? Elle a commencé à dire qu'elle est blogueuse. Blogueuse de quoi? Qui la connaît? Mon sang arrive à Paris, elle ne veut pas payer pour la soirée. Elle reste devant la porte, elle veut prendre mon nom encore pour entrer gratuit. Mon sang, le temps est fini depuis From. Tu viens dans une soirée, tu payes ta place. C'est ça qu'il s'agit. Tu comprends? Quand je t'ai connu, tu étais en antidépresseur. Tu prenais les antidépresseurs. Imbécile. Elle vient s'asseoir sur Facebook, elle veut parler à qui? Tu oses, tu veux parler au père des jumelles, vraiment. Il ne te donnera jamais cette occasion. Tu n'es rien, tu cherches la visibilité. Mes chers frères et sœurs, on passe sur Borosangi, à moins la chèvre. Ta chèvre a été donnée, à moins la chèvre a été donnée par la collègue d'en face de la nouvelle télé. À moins la chèvre, c'est elle qui t'a donné ce nom. Tu as porté à moins la chèvre longtemps, jusqu'à ce que je vienne laver ton image avec Borosangi. Entre à moins la chèvre et Borosangi, tu choisis quoi? J'ai habillé même ton nom, tu étais à moins la chèvre. Jusqu'au jour où je viens, je te donne Borosangi. Et Borosangi, là, te choque. Hey, maman, Fleur de Lille. Non, tu es vraiment le médicament des vieilles bordel. Je dis que, hey, à moi la chèvre, là, ça t'énerve. Ça dit que Borosangi, non. Ça t'énerve. Ça dit que toi, tu préfères à moi la chèvre. Mais j'ai signé que ça va être sauf que Borosangi. À moi la chèvre, Borosangi. Lent. Bon, les cœurs, on ne va pas tarder parce que dans 30 minutes, je vais aller me coucher, pardon. Donc, je suis venue là pour parler du le retour de la collègue qui a choisi la télé. Je ne vais pas vous cacher que hier, j'ai regardé, hein, j'ai essayé de chercher un peu l'heure. Elle nous a donné l'heure à 17h30. 17h30 qu'elle a donné l'heure. Quand on décide de faire la télé, il y a des petites choses qui sont très importantes. Respecter ses auditeurs. C'est ça d'abord. En France, il y a le journal de 20h sur la 1. Il y a le journal de 20h sur la 2. Et ça ne change rien. Parce que chaque télé a ses auditeurs. Une mamie qui regarde France 3, elle n'en a rien à foutre de TF1. Tu nous as dit que tu passais à 17h30. On t'a attendu. On t'a cherché. Parce qu'on voulait voir ce retour. On voulait voir ton retour. Non, on voulait comprendre les choses. On tape rien.
On tape rien. On tape rien. Mais je dis que okay. C'est comment, non? Elle ne fait plus le dire. C'est comment elle ne parle plus? On tape à gauche. C'est sur quelle page? Rien. Tu crois que les gens n'ont que ça à faire? S'assoit de 17h et tu te pointes à 19h30 pour dire que le direct. Tu penses que les gens n'ont que ça à faire? T'attendre toute une journée, ça veut dire que les gens n'ont que ça à faire. Ils n'ont pas d'occupation. Ils vont t'attendre de 17h30. Tu atterris à 19h30. Et tu ne prends même pas le temps de t'excuser. Je ne sais pas avec qui tu es entouré. Mais si tu veux vraiment faire la télé, sois un peu sérieuse. Parce que ce n'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux de donner rendez-vous aux gens à 17h30. Et entre deux, il peut y avoir un empêchement. Mais tu fais un poste. Tu dis aux gens, je m'excuse. Voilà, pour les problèmes techniques, on sait que tu as loué les grands moyens pour faire cette émission, ce retour de la télé. Mais la moindre des choses, c'est quoi? C'est de faire un poste pour informer les auditeurs que le direct, finalement, la télé n'aura pas lieu à 17h30, aura lieu à 20h ou 21h. Mais tu peux prendre des gens pour des... Je ne sais pas, tu ne respectes pas. Tu peux prendre des gens pour des... Attends, il faut arrêter. Et tu atterris, tu arrives, et puis tu ne prends pas le temps pour t'excuser. Tu n'es pas... Je suis désolée, hein, mais je pense que tu as besoin d'une formation. Tu as besoin d'une formation pour ta télé. Tu as besoin d'une formation, des petits trucs. Ça peut bien t'aller, hein, c'est ton truc, tu aimes ça. Mais tu as besoin vraiment d'une formation. Ce n'est pas normal. C'était un poteau XXL en ce qui concerne l'audience. Ça n'a rien à que les autres étaient en direct. Ça fait quoi? Tu penses que moi, je vais faire mon direct? Que d'un rendez-vous, parce que tel en direct, je ne vais pas faire. Au contraire, tu dois respecter l'heure. Parce que quand tu respectes l'heure de ton émission, si moi, je suis déjà en train de suivre ton émission, et on me dit que tel a lancé le direct et que tu es en train de parler, ça m'intéresse. Mais moi, je vais plutôt écouter ce qui m'intéresse chez toi. Je vais parler, je vais... Mais entre-temps, tu donnes l'heure. Tu nous donnes 17h30. Tu apparais à 19h30. Les gens n'ont pas que ça à faire. Ils sont en train de regarder autre chose. Ils n'ont pas que ça. Et quand ils reviennent, ils voient le podium. Il y a qui au podium? Qu'est-ce qu'elle parle de quoi? Ça leur tensionne, ils partent. Non. Sinon, ton concept, c'est un très bon concept. Mais tu as carrément dem sur la sortie de la présentation. Non. Moi, c'est sur ce côté-là que je... Moi, j'insiste sur ce côté-là. Que tu veux faire ta télé, sois vraiment sérieuse. Prépare ton émission. Tu as invité, tu avais une très belle personne. Tu avais un bon invité. Anango, c'est une personne, c'est un intello, c'est quelqu'un que... Mais l'heure-là, même s'il n'était pas à l'heure, supposons. Mais tu prenais qu'une autre personne. Tu mets en attendant qu'il est sur la route, en attendant qu'il arrive. Tu ne vas pas faire attendre les gens parce que telle personne n'est pas encore là. Non. À la télé, dans les vraies chaînes de télé, quand les invités ne sont pas encore là, on met la musique. On peut prendre d'autres invités. On papote, on parle avec en attendant même que l'invité même arrive. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as une télé, veut dire que tu as ton plateau, tu as des personnes qui t'entourent. Et même, j'insiste sur l'heure, hein, c'est très important, 17h30 pour une émission de télé comme la tienne, c'est trop tôt. Mais dis-moi, les gens sont à la tontine, les gens ont leurs choses à faire. Oui, les gens passent souvent à la maison pour aller à la réunion dans les 15h. Tu peux mettre une autre heure. Je suis restée tranquille depuis parce que je ne fais pas de direct, je suis restée tranquille parce que souvent, les gens allaient dire que oui, hein, quand elle fait le direct, tu fais le direct pour la com. Non, j'ai mes gens, elle a ses gens qui regardent. Regarde, elle n'est en aucun moment un obstacle pour moi. Jamais. Parce qu'elle et moi, on n'a pas le même langage. On n'a pas la même façon de faire. D'ailleurs, quand on s'était vu, je l'ai dit, pense, elle m'a dit, c'est toi qui vas couper la banderole de ma télé. Donc, tu es une présentatrice qui n'a pas de parole.
Tu pouvais m'inviter. Comme tu avais dit. Arrête d'écouter. Tu veux faire la télé. Arrête d'écouter les gens dans le noir qui te conseillent les faux conseils, gars. Tu veux faire la télé. Il n'y a pas d'ennemi dans ça. Tu prends les bonnes personnes. Tu prends les personnes que tu sais que... Non, mais attends. Tu m'avais dit, oui, quand je vais relancer ma télé, donc tu parlais seulement pour parler comme ça. Tu m'invitais, je venais. Non, pourquoi? Toi, c'est la télé, moi, c'est Facebook. Et tu es ma consoeur. Je peux t'encourager dans ce que tu fais. D'ailleurs, je t'encourage. Je t'encourage dans ce que tu fais. Sans... Sincèrement, je n'ai pas de défi à faire avec toi, non. Je t'encourage dans ce que tu fais, mais fais-le bien. Parce que c'est un début. Ce n'est pas fini. Si on te critique, c'est juste parce qu'on veut que tu fasses bien. Et moi, la chose qui m'a choquée, c'est le manque de respect par rapport à l'heure de ton émission. C'était un manque de respect que tu ne peux pas te mettre à la place des auditeurs. Si tes gens qui sont avec toi ne peuvent pas te dire, nous, que tu considères comme les détracteurs, moi, je ne te considère pas comme un détracteur. Je ne te considère pas comme un obstacle. Les gens comme nous, on doit te dire la vérité. Tu ne peux pas donner rendez-vous à 17h30. Tu arrives à 19h30 et tu ne prends pas le temps de... C'est pas que tu vas entrer dans de t'excuser sincèrement par rapport à cette attente-là. Non, ça ne se fait pas. Alors, la prochaine fois, revois un peu la façon de faire. Si tu veux vraiment te lancer dans la télé, enlève certaines choses dans ton cœur. N'écoute pas les petits et des Borosangui. Ce n'est pas les gens qui t'aiment. Non. Borosangui cherche les alliés pour combattre moi. Non. Borosangui, c'est une ancienne folle. Borosangui, c'est une personne qui a combattu ta tante au Canada, qui a combattu tes neveux, qu'on donne l'argent des beignets à tes neveux. Elle a combattu. Borosangui ne peut jamais t'aimer. Et toi, tu ne peux jamais aimer Borosangui. Ça, ce sont des gens qui se lèvent sur Facebook pour parler seulement, pour te changer, pour que tu changes complètement de ton... Pour te changer complètement de ce que tu as envie de faire. Ce sont les gens qui... Hein, parce que Facebook, c'est une secte. Ce sont des personnes qui veulent toujours te pousser dans les clashs. Tu as décidé de sortir de là. J'ai sorti les cordes, j'assume. Et n'importe quand que ça m'arrive de sortir les cordes, je sors les cordes. Mais les gens attendaient que tu parles des cordes. Mais tu as été intelligente. Tu as été intelligente de ne pas parler de ça. Ça, c'est de la sagesse. Tu as été vraiment intelligente. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui va venir commencer à expliquer ces choses de niaise. Tu as été intelligente. Mais, maman, fais une petite formation. Tu es une présentatrice TV. Fais attention un peu que tes commentaires ne fuient plus partout dans tous les directs, dans le noir. C'est un conseil de sœur. Parce que tu es une présentatrice TV. Alors, tes commentaires doivent être rares. Arrête de commenter partout. Là où on fait les directs de haine dans le noir, n'importe comment. Non, tu as une télé. Tu veux parler, tu mets ton Facebook, tu parles, tu ne passes par personne. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'as pas besoin d'aller dans le noir, t'exprimer ou bien d'être trop présent dans les choses dans le noir. Ce n'est pas ça qui va te donner l'audimat. Ce n'est pas ça qui va te donner les auditeurs. Au contraire, ça te descend. Parce que tu es une star. Oui, tu es une star. Tu ne peux pas commenter n'importe où et n'importe comment, non. Même si c'est quelqu'un qui gère ta page, qui utilise ton compte pour commenter partout, tu dois dire non. Quand tu commentes quelque part, ça doit être parce que c'est important. Tu peux commenter, oui, bonjour, ça va, je suis en passant vite fait. Mais tu ne peux pas
commenter partout, partout avec ton nom. Ça, ça ne donne pas. Donc, j'espère que tu seras mieux. Tu vas nous respecter. Tu vas respecter l'heure dans les prochaines émissions. Si quelqu'un d'autre évolue, pourquoi on doit s'encourager entre nous? J'ai beaucoup aimé quand Anango a dit, il a reconnu une chose. Fleur de Lys donne l'audience. C'est une personne, pas pour rien qu'on l'invite dans les soirées. Parce que je suis moi, je suis moi. Je ne cherche pas à être quelqu'un. Je me suis fait ma personnalité. Et pour rien au monde, je ne changerai ce que je suis pour être quelqu'un d'autre. Nous sommes toutes importantes dans la société. Et chacun est précieuse à ses fans. Chacun a sa place. Personne ne viendra jamais prendre la place de l'autre. Parce qu'il y a des personnes qui te suivent, qui me suivent, qui peut-être n'acceptent pas forcément certaines choses. Mais ce n'est pas parce que la personne me suit et la personne te suit que la personne ne m'aime pas ou ne t'aime pas, non. C'est Facebook, chacun prend son truc et met et fait ce qu'il veut. J'ai vu la lionne. La lionne, je te dis quelque chose officiellement aujourd'hui. Je te vois là, bonjour la lionne. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Parce que je suis une fille respectueuse. J'ai le savoir-vivre. Ma chérie, quand tu prends ta caméra, tu mets pour parler. Évite. Je dis que plus jamais, je te dis aujourd'hui, plus jamais, tu fais le lien entre moi et les Amot. C'est la dernière fois, je te dis aujourd'hui. Tu as compris avec quoi? Quand je t'ai rencontré, tu t'es parlé d'un jour. Pourquoi tu me fais comme si, machin, je t'ai dit un jour, je t'ai appelé un jour d'aller insulter quelqu'un? Parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je te dis aujourd'hui, tu arrêtes. Tu es très mal placé. Tu es la dernière des personnes qui pourraient me faire une réconciliation que eux et moi, on mange ensemble, on boit ensemble. C'est la dernière fois. Plus jamais. Tu prends ta caméra. Tu passes ce que tu veux. Tu es allé au Cameroun. Est-ce que tu m'as vu te gérer? Est-ce que tu m'as vu te demander que pourquoi tu fais ce que tu veux, ma chérie? Tu fais ce que tu veux. Hein? Et qui t'a défendu? Pourquoi vous aimez toujours attirer les problèmes aux gens? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu viens faire quoi aux gens comme si on t'empêchait d'être bien avec mes ex-parents? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi vous jouez à ce jeu? Mais tu es libre de saluer qui tu veux. Tu prends Achille, tu mets sur ton mur. C'est moi qui t'ai fait rencontrer Achille. Et je t'avais dit, je ne veux pas de photo avec lui. Parce que c'est lui, c'est moi qui t'ai présenté. Parce que j'avais à lui dire. J'avais à lui dire pour qu'il colle la paix à Maman Perpé. Et je n'ai pas choisi le téléphone. J'ai dit quand j'arrive au Cameroun, je vais l'inviter, je vais lui parler d'homme à homme. Et c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas besoin de venir sur Facebook parler de ça. C'est privé. Et j'ai fait part à Maman Perpé. Donc ne pense pas peut-être que quand tu avais vu Achille, parce que j'ai dit ne fais pas de photo avec lui, je ne veux pas que son image se retrouve sur Facebook, que peut-être dans ta tête tu te dis que je l'ai vu sur le dos de Maman Perpé. Ben non. Je l'ai rencontré parce qu'à un moment, Perpé était très mal. Et j'ai dit, elle était très mal. Et je lui ai dit, calme-toi, ne parle plus d'Achille. Laisse-moi, je vais gérer. Je vais le rencontrer. Et c'est ce que j'ai fait, comme une amie. Avant que je le rencontre, ici à Paris, on s'est déjà vu. Il me donne à boire, je bois. Avant que je le rencontre, c'était l'ami de Bernard Moncam. Donc il était même déjà venu à Bonabéry avant. Quand Bernard allait au Cameroun, qu'il était à la maison, Achille c'était son ami. Il m'appelle, oh, je suis là-bas Achille, et alors? Est-ce que je vais retourner appeler Maman Pépé? Oui. Pourquoi? Je ne suis pas une rapporteuse, wesh. Je ne suis pas une rapporteuse. Donc, c'est la dernière fois, s'il te plaît. Évite de faire certaines choses pour blesser les gens. Si tu es une star, tu as décidé, tu es une petite fille que j'ai vue, que j'apprécie, tu es libre de rencontrer qui tu veux. Est-ce que je te l'ai dit un jour, ne salue pas telle? La seule personne que j'ai dit que je ne veux pas, c'est Achille. J'ai dit, pas de photo. Je ne veux pas.
Et je t'ai dit, tu as échangé le numéro avec lui. J'ai dit, je ne veux pas. Parce que je suis quelqu'un d'honnête. Maintenant, après, si vous êtes resté en contact, tu veux qu'elle fasse quoi? Tu n'es pas une gamine. Hein? Tu n'es pas une gamine. Quand tu es venu, tu ne savais pas qui devait être là. Et c'est moi qui t'a montré que c'est lui. Tu l'as salué, c'était bien. On a passé une très belle soirée ensemble. Parce que j'avais envie de le voir autour d'un verre. Pour parler avec lui, colle la part à ma copine. Laisse-la tranquille. Et aujourd'hui, il a compris. Est-ce que je ne lui dis pas bonjour? Il a compris. Aujourd'hui, tu prends son image. Tu mets, il t'a dit de le mettre sur Facebook. Question. Tu prends Achille, tu mets par rapport à quoi? Vous pouvez même être ami. Mais tu es obligé de le poster sur Facebook. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu viens dire que ton papounet, ton père, il peut t'accoucher? Il peut t'accoucher. Tu prends ses photos, tu mets mon papounet, machin. Pourquoi tu mets... Vous pensez que c'est tout qu'on met sur Facebook? Quand tu mets que ton papounet, machin, tu veux t'adresser à qui? À compresseur. Ça, c'est clair et net. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Je le dis et je l'assume. Tu n'as pas le droit. Tu peux encore mettre tes nouveaux parents. Ce sont les parents de beaucoup de gens. Est-ce que j'étais la seule fille? Tu ne peux pas te permettre ce manque de respect. Je te dis non. Voici les photos, n'est-ce pas? J'étais, mais attends un peu. Je ne comprends pas les gens qui sont, comment les gens sont. J'ai même un de mes amis encore que j'allais dire que je ne veux pas les photos d'Achille postées sur Facebook. Il a respecté, il a compris. Quand il était venu à la maison. Hein? J'ai dit que je ne veux pas, j'ai un de mes amis. Attends. Il vient de l'Espagne. Voilà. Il vient de l'Espagne. On a fait les photos. Voilà les photos. On est là avec tonton Achille. Est-ce que j'ai posté? Voilà les photos. On est devant le portail. Je lui ai dit, attention, pas sur Facebook. Voilà ça. Donc, je ne sais pas. Vous aimez souvent prendre les gens comme si vous avez des secrets. Comment je fais? Voilà ça. Un ami à moi. On était avec Achille devant la maison. Est-ce que j'ai posté sur Facebook? Je lui ai dit non, ne poste pas. Il respecte. Que non, ne poste pas sur Facebook. Il respecte. Mais c'est quoi ce truc? Pourquoi vous aimez toujours utiliser? Pourquoi vous n'aimez pas quand les gens sont tranquilles? Hein? Moi, je ne suis pas un faux cul. Je suis, certes, je suis sur Facebook, mais je suis quelqu'un de vrai. Je suis une fille sincère. Et je suis quelqu'un de très maternel. Il ne faut pas heurter les gens comme ça. Peut-être tu le fais sur l'affluence, sur la motivation, mais n'oublie pas, tu es au Cameroun là-bas. Tu es une personne qui vend au marché. Ma chérie, fais ton blog sans heurter les gens. Tu n'as pas besoin de ça. Je t'avais laissé un message en disant que moi, ça ne va pas m'étonner un jour de te voir avec les ténébreux. Je t'ai laissé un voice, non? Parce que vois un peu comment tu... Mais attends, c'est quoi ce truc? Faut pas exagérer comme ça. Tu prends la photo d'Achille et tu lui as demandé. Tu mets sa photo par rapport à quoi? Parce que tu vas entrer dans les choses comme les autres font. Mais fais attention à toi. Fais attention à toi. Et arrête ce jeu. Ce n'est pas bon du tout. Il faut respecter tes aînés. Une comme moi. Je te demande de me respecter. Parce que je te respecte comme une petite sœur. J'aime pas l'agitation. Moi, je suis pas une fille agitée. Hein. Sur Facebook, je fais... Mais je suis pas une... Tu as dû voir que je suis pas une fille agitée. Je suis une femme posée. Que quand elle fait bien. Fais très attention à ce que tu fais. Je suis pas contente de toi. Ok? Tu connais combien de temps je suis restée avec mes ex-parents? Tu connais comment? Tu connais le rapport qu'il y avait entre nous? Toi, tu es qui? Pour te permettre, je vais faire la paix. Toi, tu es qui? Tu sors d'où? Tu sors d'où? Quand tu les insultes, si ne fais pas comme si je t'ai dit un jour qu'insultez-les. Ce n'est pas dans mes habitudes. Quand tu prenais ta caméra, vous êtes toujours comme ça. Quand vous faites des choses, vous faites toujours comme si ce sont les gens qui vous envoient. Ben non! Quand tu prenais tes caméras, tu les parlais, c'était déjà appelé un jour pour te dire que wow, c'est monté, c'est descendu. Jamais! Pourquoi aujourd'hui tu veux faire croire aux gens comme si ce sont les gens qui t'envoyaient? Apprenez à être responsable de ce que vous faites. Et mélange plus mon nom quand tu les prononces. On est ici à parler ensemble. Tu as
Tu as entendu avec quoi? Plus jamais. Don't hear me. Nothing what I tell you. No ever try again. I don't decide say I no go tell you that one for inside inbox for sick I say you did do publicly. Me I no get time for overlook all down direct. I no get the time. When I do woke up in the morning, I did think say I go see my mommy for hospital. When I come back, I did reflect. She says for even time I go rest with him. I no get time for discuting for thing for Facebook. Plenty thing for Facebook. I know the looker. And I know the looker. De temps en temps, I look you. I look Nicole Ketcha. I look the grenouille. I don't see say he married for downside way. Don't go. He don't start finish. Warriors. Vraiment. Donc, les Portugais, c'est quoi la te chasse? Tu n'es pas forte pour récupérer un blanc, maman. Maman, les Hispaniques t'ont fait fuir. Adama, une étonne comme toi, une fille de San Melima. Les Hispaniques, les petits wesh, les blanches, les vieilles chouettes blanches. Tu as laissé ton petit cure bien rebondi où? Hein? Moi, je te suis, hein? J'ai vu l'autre jour là-bas que pas André, ou c'est pas qui là-haut. Il t'a abandonné, il est parti donner l'argent là-bas chez une vieille chouette, une hispanique. Donc tu croyais que tu avais. Donc tu nous montais derrière la piscine, quoi. Tu croyais que c'est vrai. Moi je te comprends, Warriors. Quand tu allais faire les projets avec un gars comme ça. Oui, on va rester en couple, non? Mais tu bombardes les hispaniques là. Elles sont les qui? Hein? Donc, toi, tu pars en mariage. Tu laves le sol. Tu passes l'aspirateur. Tu fais les boîtes de conserve pour servir au restaurant. Et dans tout ça, la recette, on te promet seulement. Quand Didier, pas Didier, donc quand l'argent sort, on porte, on va donner là-bas et tu laisses. Tu nous as fait rêver. Je voyais dans la piscine que oh, l'été, ton mariage, mais je m'envoie un message. Que non, il faut qu'elle soit témoin. Parce que moi, je voulais là, moi, aller chercher mon chapeau. Que l'été, je suis là en bord de la piscine, le mariage de ça, de Warriors, maman. Je te vois seulement. Tu vas rester dans le mariage là. Je te vois seulement. Non, je ne veux plus. C'est bon là. Tu ne veux plus quoi? Hein? Donc, tu ne veux plus le mariage de Padidji. Et nous, on fait comment avec nos choses qu'on allait commencer à préparer? Tu vas sauf que te marier. Ma calama, bobé, je te fais un gros big up. Hmm? Il t'a promis. Toi, mais quel blanc même va d'abord accepter que hein? Tu viens, tu commences à faire les directs dans ces choses. Tu montres partout. Maman, apprenez à être discret. Tu es obligé. Que les blancs n'aiment pas les choses comme ça. Toi qui es la femme des whites. Mais à peine arrivé. À peine arrivé, tu fais des directs. Tu montres sa maison. Tu montres ceci. Tu montres ces choses. Tu crois que quel blanc accepte? Les blancs n'aiment pas Facebook. En fait, les blancs n'aiment pas quand. Non. Les blancs n'aiment pas le tapage autour de leurs choses. Tu... Voici ma piscine. Warriors. Voici ma piscine. Voici votre piscine. Attendez, vous montrez la maison. Voici. Warriors, il rêvait déjà comment. C'est-à-dire que, Warriors, comme tu n'as pas eu l'héritage de l'autre côté, c'est-à-dire que tu t'assois comme ça, tu vois pas Didier, tu le filmes, tu mets sur Facebook, tu crois qu'il n'a pas des amis? Tu crois qu'il est bête? Quand il voit le blanc, là, il est sage. On dit que c'est un blanc wakake. Ta copine, Rodiane, que je n'ai rien demandé, même pas une tour au sa cabinet, Rodiane m'a réveillé ici, elle a commencé à m'envoyer. Comme tu as mis les choses de pas Didier, Rodiane a appelé là-bas, hein, pas Didier, te saboter jusqu'à. Oui, Rodiane a appelé là-bas. Jusqu'à dire que tu work partout. Elle a appelé par Didier. Mettre l'adresse de par Didier. Envoyer tout ça là que voici. Ce sont eux qui ont knock ton truc. La prochaine fois que tu rencontres un autre blanc, hein, ne viens plus parler à tes soeurs là. Rodiane a appelé par Didier. Jusqu'à Rodiane, je suis laissé les photos. Une personne m'envoie. Parce que Rodiane a peut-être 100 numéros. Je l'ai là bloqué, fatigué. Je suis resté ici, Rodiane. Je vois un numéro qui a un.
Voilà ta soeur qui te manque, elle a trouvé un milliardaire. Voilà, c'est un père Waka. C'est un blanc Waka qu'il donne seulement chez les Waka. Que dès qu'il rock comme ça, il passe seulement Nias chez les Waka. Il paye bien les Waka. Que tu comptes qu'ils ont appelé là-bas. Oui, Rodiane. Une Waka de... Elle est même où encore là? Oui. Warriors, la prochaine fois, elle ne montre plus. Les gens comme les Rodia, les jalouses. Elle a vu que tu as une maman. Ne montre plus. Tu es une fille qui aime le milieu européen. Tout ça là, tu vas trouver l'autre. Maman, jusqu'à tu voulais la faire placer les... tu voulais la ouvrir ton argent. Warriors, tu n'as pas encore trouvé ta poste à cimenter. Tu voulais la faire les présentations. Qu'il y a beaucoup ici, hein? Il y a les blancs ici beaucoup, la personne qui veut... Maman, les blancs que vous voyez là, changeant jusqu'à... Les what? Tant que tu n'es pas encore dedans, hein. Maman, tu prenais seulement ma petite fille énorme, tu tournes à côté de la piscine. Hein, voici, voici notre piscine. Hein? Quoi? Tu montes la maison de quelqu'un comme ça, pourquoi? Hein? Ne fais plus ça. Tu comprends, non? Influenceuse, blogueuse d'État. Ne fais plus ça. J'ai dit que je voyais là ta vie. Moi, je me suis restée que maman, Warius a trouvé. Oh. On a tapé les divers. Oh. Maman, que maman Warius, oh, la chance, la femme là. Et c'est comme ça qu'une personne se vantait. Non, elle a toujours trouvé les vrais blancs. Hein. C'est une gars qui a toujours trouvé. Elle dit que maman, jusqu'à Warius, tu m'as fait rêver. Ça m'a dit que maman, les noirs qui mentent comme quoi là, que moi, elle m'en vais, moi, chercher ma part de blanc. Oh. Qui va aussi assurer ma part de retraite. Warriors, vous voyez déjà le range à Sarmelimaque, elle a amené le blanc là-bas et tout, les blancs de maintenant, hein, bandits, voleurs de cul jusqu'à demain. Oui, les blancs de maintenant, tu tends seulement la main, les sans confiance. Maman, donc, ma Warriors, pardon. Je voulais même t'appeler que maman, lance-moi l'autre blanc. Lance-moi, mais tu sais, quand tu vois les blancs, là, c'est les gens des blancs qui boivent à crédit, payent la fin du mois avec la retraite, non, Warius. C'est pas le genre là. Parce que quand je les vois dans le bar de Didier, c'est les habitués, c'est les mêmes. C'est le genre de bar que quand tu arrives, il y a peut-être 10 personnes, toujours les mêmes, non. Ils jouent au ludo avec les gros boules là. C'est que les, on lance comme ça là. Vraiment, courage. Courage. Entre à Paris, tu passes sur les champs. Mm-hmm. Bon, il y a eu aussi quelque chose sur Facebook là. Ouais. Marty de Brown. C'est vrai que je n'écoute pas, j'ai pas trop écouté tout ce qui est autour. Mais ce que j'ai envie de vous dire, si vous pouvez participer, participez. Mais en fait, il y a un truc que je ne comprends pas. Comment on va rapatrier le corps d'une Camerounaise qui est dans son pays, Poumbé? Moi, j'aimerais bien comprendre. Comment on va rapatrier le corps de quelqu'un qui est là-bas au pays? Oui, on l'a rapatrié en France. Quand le mari même dit qu'il ne veut pas lui, qu'ils n'étaient plus ensemble. Je ne comprends pas bien, en fait. Hein? Je veux comprendre. Ça fait combien de temps qu'on est en direct? Je coupe un peu. On relance. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le direct. Je coupe, non. Je coupe, je ouvre la ligne. Pardon, vous m'expliquez un peu. Hein? Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut rapatrier le corps d'une personne qui est dans son pays. La personne est décédée au pays. Mais on veut rapatrier son corps en France. C'est pas un blanc. Même si elle est française, elle est dans sa famille, dans son village. J'aimerais bien qu'on m'explique. Parce qu'en fait, j'ai envie de parler de ça quand je maîtrise. Donc, s'il y a quelqu'un qui maîtrise ça, qui veut bien nous parler de ça, on pourra organiser un direct pour ça. S'il y a une quête à ouvrir, on le fait. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que Marty de Brown, pardonnez-moi, mais c'est un milliardaire de Cannes ou c'est de Nice.
Hein? C'était une milliarde. Parce que ce sont les grandes filles qui tournaient avec les Joël Brown, là. C'était sa meilleure amie. Elle marchait avec les Alu Lolo Ngomba. Elle marchait avec les grands artistes. Moi, en fait, je ne comprends pas très bien le truc. Elle avait un grand restaurant. Oui, elle est française d'origine camerounaise. C'est comme moi. Moi, je suis française d'origine camerounaise. Mais je ne comprends pas le fait qu'on va rapatrier son corps. Est-ce qu'elle avait une assurance? Il n'y avait pas une assurance? Je veux comprendre en fait le truc. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique. Une personne qui peut expliquer, on explique. S'il y a une quête à faire, on fait la quête. Ah, merci pour les étoiles. Vraiment, merci. Donc, moi, je ne comprends pas ce truc. Parce que c'est que c'est ici là qu'on rapatrie souvent le corps au Cameroun. Je sais que les Français ici, les Françaises là, les milliardaires ont toutes les assurances. Ils ont les assurances ici, les assurances ça. Moi, je veux comprendre depuis quand, comment ça se fait. Je veux comprendre en fait, comment on va rapatrier le corps du pays pour ici, alors qu'elle a un fils au pays. Ça veut dire que l'enfant doit rester auprès du corps, auprès de sa mère. Donc, je ne comprends pas parce que l'enfant qui est né ici. Les enfants qui sont nés ici, il est bien vrai. Ce sont les enfants qui ne rentreront jamais en Afrique. Mais on peut convaincre l'enfant à aller. C'est pour ça que je vous dis, vous qui avez les enfants nés ici, faites l'effort souvent d'amener vos enfants en Afrique. Même une fois tous les 2 ans, leur montrer là où leur pays d'origine, leur montrer là où, si vous n'êtes plus, ils seront. Je ne sais pas. Son fils vit au Cameroun. La personne qui est ici en Europe, c'est son fils qui est petit, je ne sais pas. Moi, je ne la connaissais pas très bien. Je l'ai aperçue une seule fois. Je ne la connaissais pas. Moi, j'entendais beaucoup parler d'elle. C'était une milliardaire et tout. Elle a fait parler beaucoup d'elle. Voilà. Donc, si quelqu'un connaît un peu l'histoire, on pourra organiser un direct même demain soir pour parler de cette histoire. Parce que moi, je veux surtout comprendre. Comment? Comment? Je vais comprendre. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à demain. Hein? N'oubliez pas, Justin Tsama, un bandit, oh, un voleur. Oh. Un bandit, oh, Justin Tsama. Un voleur depuis 1900, ouais. Vous dites qu'on coupe. On coupe, on relance. Depuis, je n'ai pas fait le direct. Hein. Ouais, maman, le direct a le goût, non. Et mon retour, alors, c'est comment? Hein? Mon retour, alors, c'est comment? Hein, mes cœurs? Coucou, les détracteurs, vous êtes contents de me voir, non? Hein? On fait comment? Hey, mes cœurs. Je coupe d'abord. Ça a le goût. Facebook sans moi, c'est le cimetière. Ah non, je vais dormir. Facebook sans moi, c'est le hélélé, non. Ok. On fait. Demain, j'ai quoi à faire? Demain, j'amène mamie à le. Je vais au médecin. Alors, demain, qu'est-ce que j'ai à faire? Demain, j'amène mamie au médecin. Après, j'ai mon oncle qui m'appelle. Maman, je vous donne alors. Attendez, je coupe. Je vous parle d'un gigolo. Un gigolo qui a sévi sur Facebook. Vous allez trouver son nom. Attendez. Et mon oncle m'appelle.